Il existe une multitude de sacs à dos sur le marché, mais il est important de bien choisir celui que votre enfant prendra pour l'école. Le but, éviter qu'il ne développe une mauvaise posture ou un mal de dos. Pour effectuer le choix d'un cartable bien adapté à votre enfant, il est préférable que celui-ci vous accompagne lors de l'achat. Ce qu'il faut vérifier en premier selon les experts, la taille. Le sac à dos doit être le plus petit possible. Si votre enfant est en maternelle, il n'aura pas beaucoup de matériel à transporter dans son sac au quotidien. Profitez-en donc pour garder son sac petit et léger. Ensuite, il faudra valider la largeur. Le sac ne doit pas être plus large que le dos de votre enfant, ni dépasser la hauteur de ses épaules. Le bas de cet outil indispensable doit aussi arriver juste en haut de son postérieur. Tout de suite après, c'est au tour des bretelles. Celles-ci devraient être de 5 cm ainsi qu'être ajustables et rembourrées au-dessus des épaules. Il faut de même choisir un sac à dos avec une ceinture qui s'attache à la taille pour mieux répartir le poids. Un cartable dont l'arrière est rembourré offre également plus de confort. Autre critère important, des pochettes situées sur les côtés pour une bonne répartition du poids. Les sacs fabriqués d'un tissu léger, lavable, résistant et imperméable. Pour les enfants qui doivent marcher longtemps, les sacs à dos avec des roulettes sont à privilégier.